With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. You, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Bonjour à toutes, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un point sur mes lectures des dernières semaines. Alors le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de L'Ange de Marshmallow Hall de Lucinda Riley. Donc j'ai pris ce livre chez France Loisirs. Je trouve la couverture sublime et surtout en fait s'il était dans un coffret. Donc si je le trouve, peut-être que je vais vous montrer. Pendant la période des fêtes, France Loisirs faisait un coffret sur deux Lucinda Riley. Donc j'avais les deux livres comme ça. Oula. Et en fait, je trouvais sublime. Le titre, ils étaient hyper attrayants. Donc, on a deux livres. Il s'agit de La lettre d'amour interdite et L'ange de Marshmallow Hall. Et je trouve que le coffret, il est magnifique. Il est vraiment sublime. Et je crois que j'ai payé 19€ pour les deux. Donc, franchement, c'était soit un super beau cadeau à se faire à soi ou à faire à quelqu'un. Et Lucinda Riley, j'ai entendu que du bien sur cette autrice. Et du coup, j'ai commencé ce livre. J'ai commencé par lire ce livre. Alors, pour vous faire un résumé, il s'agit de Greta qui, 30 ans après, va retourner dans une demeure dans laquelle elle a vécu des choses. Mais en fait, elle a perdu la mémoire. Elle ne s'en rappelle pas. Et en faisant une petite balade dans l'immense jardin de la demeure, elle tombe sur une tombe d'un petit garçon. Et du coup, elle ne se rappelle pas du tout. Mais en faisant une promenade dans le jardin de l'immense demeure, elle va tomber sur une tombe de petit garçon. Elle ne se rappelle pas du tout du nom de cet enfant. Mais en voyant la tombe et en voyant le nom, cela va lui procurer un sentiment bizarre. Certains flashs, en fait. Et du coup, elle va commencer petit à petit à retrouver la mémoire. Et en fait, pour ne pas trop vous spoiler, moi je peux vous raconter juste le début. En fait, au début de l'histoire, on rencontre une jeune femme qui est danseuse dans un cabaret et qui va tomber enceinte malheureusement et qui va se faire quitter par son copain de l'époque. Et suite à cela, elle va faire face à des difficultés. Elle va devoir trouver un logement, trouver un travail, trouver de l'argent, trouver de quoi vivre. Elle va avoir la chance d'être tombée de connaître un ami qui va l'aider et qui va l'envoyer justement dans cette demeure pour pouvoir vivre sa grossesse tranquillement. Et suite à cela, voilà, il va se passer plein de choses. Et vraiment, j'ai vraiment adoré cette histoire. Je ne l'ai pas lâchée. Et vraiment, c'était une histoire à lire au début de cette année, avec le froid, avec un peu de neige qu'on a eu, je ne me rappelle plus, en mars. Et c'était vraiment génial. En fait, on va découvrir l'histoire sur plusieurs générations. Donc il y aura Greta qui deviendra mère puis grand-mère. Donc on va découvrir l'histoire de Greta, de sa fille et de sa petite fille et des personnes qui vont graviter autour de ces trois personnages. C'était vraiment génial. Alors il y a de l'intrigue, pas trop, mais vraiment c'est il n'y a pas vraiment de suspense, de choses d'enquête, de choses à découvrir. Mais en fait, la façon dont l'histoire est racontée, on a envie de connaître la suite. On s'attache énormément aux personnages, à leur histoire, à leur sensibilité. Ils font beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Tellement attaché que tu te dis, ok, d'accord, c'est pas grave, je te comprends, on te pardonne. Et voilà, on découvre ces trois jeunes femmes. Et franchement, je trouve que la morale de l'histoire, c'est... Je ne sais pas si c'est ça qu'elle a voulu décrire, mais que l'importance de l'éducation et l'éducation pendant l'enfance, de comment tu élèves ton enfant, l'importance de l'éducation. Alors, j'ai trouvé qu'elle a voulu dénoncer, si on peut dire ça comme ça, l'importance de l'éducation que tu donnes à un enfant. L'enfance, en fait, tout ce qu'on peut vivre dans notre enfance, comment ça peut se répercuter sur notre vie d'adulte, en bien ou en mal.
Et c'est très important, et que les choix qu'on fait, ben on va les regretter toute notre vie en fait. Surtout comment on élève nos enfants, l'amour qu'on leur donne, les conseils, la façon de, ben, de les empêcher de vivre ou de les laisser vivre, tu vois, les limites qu'on ose donner à un enfant. Moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée. J'ai pas d'enfant, mais je me dis, ok, d'accord, quand j'en aurai un, je vais faire attention à certaines choses parce que oui, il peut avoir des dégâts et des choses vraiment très, très, très graves. Elle parle aussi de maladie mentale. C'est très très important de comment ça peut ne pas être pris au sérieux quand tu vois que oui, quelqu'un ne va pas bien et que tu te dis ok, c'est pas grave, c'est juste une mauvaise passe. Et que voilà, il faut prendre au sérieux ce genre de choses. Et surtout les cris, surtout ben, quand tu vois que quelqu'un n'est pas bien et que tu te dis oui, je ne vais pas bien, de prendre au sérieux certaines choses et de prendre en considération ben, l'appel à détresse de certaines personnes. Que ce soit ben, quelqu'un de ta famille ou un ami, parce que ça peut avoir de graves répercussions par la suite. Et des fois, ben, tu atteins le point de non-limite et voilà, tout ce que tu pouvais faire avant, ben, tu peux plus le faire et c'est trop tard. J'ai aussi aimé la relation mère-fille. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup la relation mère-fille dans ce livre. Et ben, l'importance de la relation mère-fille, comment des fois une mère peut rejeter ses. En fait, pas projeter, mais projeter ses propres désirs sur son enfant, certaines choses qu'elles n'ont pas pu réaliser dans leur enfance ou dans leur vie de jeune femme. Et en vieillissant, elles se disent, ben, ok, moi, j'ai pas pu faire ça, mais ma fille, elle fera ça. Et coûte que coûte, même si elle ne veut pas, mais c'est pour son bien, je sais ce qui est bien. Et ben, c'est pas la bonne chose à faire parce que parfois, ben non. Chaque personne vit sa vie, chaque personne a ses propres désirs, ses propres rêves et ça sert à rien de forcer certaines choses. C'est comme par exemple, on te dit, ben, tes parents te disent, ben oui, tu vas faire docteur parce que oui, c'est bien vu, c'est un bon métier. Ben non, si t'es pas fait pour ça et si tu veux pas le faire, peut-être que tu vas te lancer pour tes parents, pour faire plaisir. Mais au bout d'un moment, ça va se ressentir et voilà. Voilà, tu vas te sentir perdu ou voilà, tu vas tout lâcher et voilà. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à retenir. Moi, ce livre, il m'a marqué. Je pense que je vais longtemps y repenser. Et pour parler aussi de l'édition, de l'objet livre, voilà, j'ai déjà dit que je trouvais la couverture hyper belle, mais je trouve aussi la mise en page parfaite. Le livre, tu le poses, il se tient hyper bien, les pages ne tournent pas. La qualité du papier, il est nickel. J'aime bien quand l'écriture, elle est très 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 foncée. Et là, c'est le cas avec les éditions France Loisirs. Je crois qu'il est sorti aussi aux éditions Charleston, il me semble. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix. Mais si vous voulez faire un cadeau, vous offrir un beau petit cadeau, vous pouvez craquer pour l'édition France Loisirs. Le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit de La passeuse d'histoire de Séjal Badani. J'ai adoré ce livre, juste en voyant tous les post-it que j'ai mis. Vraiment, c'était une chouette, chouette, chouette histoire, une bonne morale, franchement, rien à dire. Il s'agit de Jaya, une femme qui est enceinte et qui, en début de l'histoire, en fait, on suit sa fausse couche et on apprend que c'est pas sa première fausse couche, qu'elle en a déjà fait deux avant. Déjà qu'elle a eu des difficultés à concevoir, donc elle est passée par la case de procréation médicalement assistée. Et en plus de ça, ben quand ça marche, elle fait des fausses couches. Donc, donc voilà, vous imaginez bien qu'elle ne se trouve pas dans un très très bon état mental. On apprend aussi qu'elle est mariée depuis longtemps à son amour, voilà, son amour de sa vie. Donc du coup, on va voir comment elle et son mari vont faire face à cette énième fausse couche. Et que elle le vit tellement mal comparé à son mari qui va le vivre, mais qui va tout garder pour lui au fond de lui. Et tout cela va aboutir à la séparation du couple. En même temps, Jaya, d'origine indienne, elle vit en Amérique. Elle va apprendre par l'intermédiaire d'une lettre envoyée par le serviteur de son grand-père que celui-ci n'est pas en très bonne santé et qu'il va bientôt décéder. Et que si bah, sa mère, la mère de Jaya et des frères de sa mère pouvaient revenir au pays pour vivre les derniers instants de vie de ce grand-père, ce serait bien. Et du coup, la mère va refuser. Donc, elle va, du coup, ça va encore plus soulever des problèmes qui étaient déjà existants. Elle va se demander pourquoi sa mère refuse de retourner dans son pays, pourquoi elle s'est éloignée de son père, pourquoi elle parle pas trop de sa vie d'avant, son enfance en Inde. Elle est très très discrète et surtout, elle a une relation compliquée avec sa fille. En fait, elle ressent pas l'amour de sa mère. Voilà, elle la trouve distante.
Donc du coup, déjà qu'elle subit sa fausse couche, elle n'a pas une très bonne relation avec sa mère. Et la séparation en plus avec son mari, elle va décider de, ben, pourquoi pas de partir en Inde, ben, de découvrir son histoire à elle, parce que justement, c'est son histoire, elle connaît pas sa grand-mère, elle connaît pas son grand-père. Donc elle va partir en Inde. Et en arrivant en Inde, elle va être accueillie par Ravi. Il s'agit du serviteur de son grand-père. Et elle va apprendre, ben, que son grand-père est décédé. Il va lui raconter l'histoire de sa grand-mère sur plusieurs années, de son enfant jusqu'à la mort de sa grand-mère. Et du coup, je trouvais que c'était une magnifique histoire. Déjà, au niveau des descriptions, on se sent vraiment en Inde, avec les paysages, la façon de s'habiller, la façon de manger, les différentes castes aussi. Je connaissais déjà un petit peu sur l'Inde, donc du coup, j'ai pas découvert vraiment l'histoire des castes, mais je trouvais que c'était assez bien décrit. Je me sentais bien dans le pays. On va découvrir une histoire d'amour, on va découvrir le poids des traditions en fait, parce que à l'époque où vivait la grand-mère, il y avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de tabous. J'ai bien aimé ce livre parce qu'en même temps, il nous permet de voyager, de découvrir un autre pays. En même temps, on va parler de problèmes de maternité, de l'envie de maternité qui n'arrive pas. On va parler d'amour, on va parler de tradition, d'héritage, de souvenirs. Aussi, on va parler des différentes castes, la difficulté que certaines castes ont par rapport à d'autres. Quand on vient en Inde, on parle des intouchables, on parle des chamans. Donc c'est vraiment très très bien. On va parler aussi d'éducation, l'éducation des filles, comment les hommes ils sont différenciés par rapport aux femmes en Inde. Et j'ai vraiment trouvé ça bien amené, sans trop critiquer. En fait, j'ai pas trouvé qu'elle s'est dit oui, vous faites ça, c'est pas bien. Elle a dit bah, c'est comme ça. Et comment certaines femmes se battent, comment justement elles se sont battues pour pouvoir avoir certaines choses. Et surtout, surtout qu'on va montrer que voilà, Jaya qui vit en Amérique, qui vit à l'américaine, qui connaît pas ce genre de tabou, ce genre de tradition, comment elle va être confrontée à ce genre de vie, comment elle va être confrontée à la vie de sa grand-mère, et que voilà, elle va se rendre compte que ok, il y a des choses qui se passent pas bien dans sa vie, mais c'est pas si mal en fait, c'est pas si mal. Vraiment une histoire à découvrir. Si vous passez un mauvais moment, vous n'êtes pas dans une bonne semaine, je vous conseille de le lire, parce que moi, je crois que c'était le cas. Et je l'ai lu, et franchement, après, j'étais tellement bien. Il m'a vraiment touchée, vraiment. J'ai pas lâché ma petite larme à la fin, mais j'étais vraiment, vraiment émue. Et vraiment, si on me demande, t'as un livre à me conseiller, je dirais oui, vas-y, celui-là, tu peux le lire. Je pense qu'il convient à toutes les générations. Peu importe le milieu social, peu importe ton âge, je pense que tu passeras un bon moment. Et y a beaucoup de passages qui m'ont plu. J'ai mis beaucoup de post-it, comme je l'ai dit au début, parce qu'il y a vraiment des passages, vraiment, c'est limite poétique, c'est un passage. Et voilà, à un moment, il parle du Holi. Moi, j'ai une amie indienne, on est très très proches. Et du coup, j'ai pu participer à cette fête. Et du coup, je vois c'est quoi. Franchement, ça a été tellement bien décrit. Et j'ai pu apprendre en fait l'origine de cette fête, parce que moi, je l'ai fêtée avec mon ami, mais sans vraiment connaître l'origine. Et là, j'ai appris vraiment l'origine, comment ils le fêtent en Inde. Et moi, je l'ai fêtée à Paris. Donc voilà la différence, la différence, les plats. Vraiment, c'était génial, génial, génial. Je vous encourage à le lire si ça vous plaît. Et surtout, la couverture, elle est sublime. Il existe aussi en grand format. Moi, je l'ai en poche parce que voilà, j'ai préféré les poches pour le gain de place. Et surtout, quand j'ai mes déplacements pro, c'est plus facile à transporter. Alors, le prochain livre que j'ai lu, il s'agit du Comte de Monte Cristo. Alors, il est juste là. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de cette sublime édition que j'ai achetée à Carrefour. Alors, pour le nom de l'édition, je ne sais pas si ils l'ont marqué. Il s'agit des éditions Panini Family. C'est un très très beau hardback avec marque-page. Alors, c'est un gros pavé. Le Comte de Monte Cristo, j'en avais entendu parler. Quand j'ai vu le livre, je me suis dit, ah, ok, je vais le prendre. Mais après, je me suis dit, je ne vais jamais le lire parce que, en fait, il est déjà très très gros.
près de 900 pages. Et surtout, c'est l'écriture. En fait, il écrit hyper petit, hyper serré. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de rapprocher. Et voilà, je me suis dit, mais comment tu fais pour lire un livre comme ça? Ce livre, je l'ai lu dans le cadre du livre du mois de janvier du groupe L'Empoche Classique. C'est une bonne chose qu'il soit dans la liste des livres à lire parce que je pense que je ne l'aurais jamais sorti de ma palle. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, ok, on va toutes le lire, on va toutes galérer un peu, je pense. Et surtout, je sais que les classiques, parfois, c'est un peu compliqué. Les longues phrases, les longues descriptions, les termes qui ne sont plus utilisés de nos jours. Je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Et en fait, pas du tout. Ça a été la grosse claque de cette année. Franchement, dès les premières pages, tu te dis, ok, d'accord, ça commence bien. À Marseille, en plus, j'ai vécu à Marseille. Donc, je voyais très bien ce qu'il disait, les descriptions, les endroits. J'étais encore plus ancrée dans l'histoire. Et c'est une histoire géniale en fait. Pour vous faire un petit résumé de cette histoire, il s'agit du jeune Edmond Dantès qui s'apprête à devenir le capitaine du navire nommé le Pharaon et qui va épouser une belle jeune femme qui s'appelle Mercedes. Il se retrouve arrêté injustement le jour de son mariage sans trop comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait. Il ne sait pas, il a eu de problèmes avec personne, il n'a jamais fait quoi que ce soit à qui que ce soit et il ne comprend pas pourquoi il se retrouve arrêté. Donc suite à cela, il va être envoyé en prison. Et voilà, et suite à tous ces événements, il va vouloir se venger. Donc dans ce livre, on va découvrir qui l'a trahi, comment il va réussir à s'en sortir, parce que t'es envoyé en prison pour une longue période, et je pense que normalement, il devait pas s'en sortir, mais grâce à des événements vraiment extraordinaires, il va réussir à s'en sortir et à sortir de prison. Et voilà, on va découvrir la vengeance, comment il va bien mijoter, comment il va bien préparer cette vengeance, parce que tout ne va pas se faire tout de suite d'un coup, non. Sur des années, il va se préparer, tout sera ficelé en fait, et c'était vraiment, vraiment génial. Déjà, la plume de l'auteur, j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, la plume de l'auteur, j'ai trouvé ça génial. Alors du coup, moi, je vais vous dire ce que j'ai mis, parce que j'ai fait un avis à chaud, parce que je me suis dit, il faut que je fasse mon avis... Il faut que j'écrive vraiment ce que je pense parce que, voilà, quoi, il y a trop de choses. C'est un gros, gros livre. Il y a beaucoup d'éléments et tu ne vas jamais t'en rappeler. Alors, j'ai marqué quoi? Quand j'ai trouvé cette histoire passionnante et étonnante, en fait, je ne m'attendais pas autant à apprécier la lecture. Dès les premières pages, j'étais happée par l'histoire. J'ai trouvé que tous les personnages étaient attachants. Même les méchants, en fait, même les méchants de l'histoire, je me suis dit, tu vois, qu'au moment quand ils vivaient des choses pas très sympas, j'étais un petit peu touchée, j'étais un petit peu attristée. Donc voilà, c'est que vraiment tous les personnages tu t'y attaches parce qu'en fait ils sont vraiment tellement bien décrits, voilà leur personnalité, le trait de caractère, tout ce qu'ils ont de bon et de mauvais en eux, et c'est génial en fait. C'est la première fois que je lis un livre et je me dis mais voilà, c'est extraordinaire en fait. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que chaque chapitre a son importance. T'as pas un chapitre où tu te dis ok d'accord, bon, c'était un petit peu pour combler les vides et tout. Non, chaque chapitre a son importance. Et tous les chapitres sont intéressants, en fait. Même si, parfois, il y avait certains chapitres qui n'avaient rien à voir, en fait, avec ceux qu'on nous avait déjà racontés au début. Et pourtant, t'étais happé dans l'histoire. En fait, c'était même pas au même endroit, dans le même pays, avec le même personnage. Et t'étais quand même happé dans l'histoire parce que je pense que Alexandre Dumas, il a cette façon d'écrire et cette façon de t'intéresser qui fait que... Voilà, quoi, le livre, voilà, quoi, tu as envie d'y être et t'as envie de connaître la suite. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? J'ai aimé aussi que l'auteur aussi nous intégrait dans l'histoire. Parce qu'en fait, dans certains passages, il nous disait... donc, on arrive dans telle pièce comme on vous l'a déjà décrit précédemment. Et du coup, il te dit, ah ouais, c'est vrai, on en a parlé de ça à tel moment. Et du coup, comme le livre, c'est un gros pavé, je pense que lui-même, il savait que c'était un gros pavé. Il se dit, bon, il faut à chaque fois faire des petits rappels pour pouvoir... nous remettre dans l'histoire et pouvoir bien se dire ok, c'est passé ça, faire la chronologie des choses pour pouvoir ne pas se perdre en fait dans l'histoire et pour pouvoir toujours garder le fil conducteur. Ah oui, j'ai écrit que c'est la première fois que j'étais autant stressée par un livre, par certains passages. En fait, des fois il se passait des choses et en fait j'étais comme ça, je retenais ma respiration parce que je me suis dit oh, il va pas se passer ça, ah non mais il va pas faire ça. Et du coup, c'était tellement stressant. En fait, on est tellement attaché à tous les personnages. En fait, t'as l'impression que c'est vraiment quelqu'un que tu connais, que t'as vu et que la scène est en train de se passer en face de toi. En fait, c'était tellement bien décrit, tellement bien raconté.
Oh, mais t'étais. Moi, au moment où il y a une scène, mais je me suis dit, mais j'espère qu'il va pas faire ça. Et il va se passer une chose avant, quelque chose qui va lui. Au dernier moment, qui va l'empêcher de faire cette connerie, en fait, parce que, ben, non, ça peut pas se passer, ça peut pas se terminer comme ça, en fait. Et j'étais vraiment stressée, et j'étais comme ça en train de tourner les pages, je me suis dit, oh non, j'espère pas. À chaque fois que je lisais, je me suis dit, oh, j'espère pas, j'espère pas, j'espère pas. Et jusqu'au dernier moment, tu as le suspense, et franchement, je pense que c'est l'un de mes chapitres préférés. On a pas mal, mais lui, c'était vraiment mon chapitre préféré. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? C'est que dans ce livre, ben, y a une morale, en fait, parce que ben, ça parlait de vengeance. Aussi, ben. Sans trop vous spoiler, bah, certaines personnes ils font des choses hyper dégueulasses et ils se disent bah ok de toute façon c'est pas grave, je fais quelque chose de mal, il m'arrive quelque chose de mal, c'est bon j'ai payé, donc je peux recommencer, je refais quelque chose de mal. Et au bout d'un moment, bah, à force de faire des conneries, stop quoi. Tu peux pas passer ta vie à faire des choses, il faut retenir les leçons que la vie te donne. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal aussi et que oui, c'est une bonne morale de se dire, bah, au bout d'un moment, voilà quoi, il faut te ressaisir. Voilà quoi, il faut pas faire des conneries. Et j'ai trouvé aussi que c'était un bon livre qui donnait espoir, je trouve. Espoir en la vie, voilà, en l'avenir. Parce que souvent, ça m'est déjà aussi arrivé d'avoir des moments difficiles et de me morfondre, de me dire, ben, oui, c'est comme ça va jamais s'arranger, et de me plaindre, et d'être pas bien. Et tu vois, d'enrichir d'être toujours dans ce négatif et tout, alors que voilà, maintenant aujourd'hui je me dis, ben ouais, ok, d'accord, c'était comme ça avant, mais ma vie est tellement mieux ici maintenant, et que si je savais, mais franchement, je ne serais jamais mise dans des états pareils pour des choses comme ça, en fait, tu savais. Et en fait, je pense que c'est ça la morale du livre, si tu. Comme on ne lit pas dans l'avenir, donc oui, ça sert à rien de. Oui, il y a des trucs vraiment graves qui se passent dans la vie. Mais voilà quoi, il faut essayer de se bouger, d'essayer de voir ben, le côté positif dans certaines choses. Peut-être qu'il n'y a pas tout, tout n'est pas négatif en fait. Et voilà, je trouvais qu'il y avait, c'est vraiment une des morales, parce que si je ne peux pas tout vous spoiler, si je vous dis tout, trouver l'écriture très poétique aussi dans la façon de raconter les choses, la façon de décrire certaines situations, de décrire l'amour, de décrire la vengeance, de décrire la tristesse, de décrire l'amour d'une mère pour son enfant, de décrire l'amour de grand-père pour sa petite fille, de l'attachement d'une petite fille pour son grand-père, de l'amitié aussi également, de la jalousie, de voir qu'il y a quelqu'un ben, qui a plus que toi, plus de choses. Franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien écrit, même si c'était écrit il y a longtemps et qu'il y a certains termes qu'on n'utilise plus maintenant, mais la lecture, ça n'entache rien à la lecture et elle est hyper agréable et je pense que c'est un livre intergénérationnel, qu'on peut le lire à tout âge en fait. Je pense que dès le collège, on peut le lire en fait, on peut le lire et on peut l'apprécier. Je pense que n'importe qui pourra l'apprécier. Je suis extrêmement, extrêmement étonnée, ravie. C'était une bonne claque et je suis aussi contente, fière d'avoir lu ce gros pavé et d'avoir autant apprécié. J'ai mis beaucoup de post-it pour les passages qui m'ont plu et je pense que je le relirai un jour. Peut-être pas tout, mais certains passages qui me foulent. Et surtout, j'ai eu la chance de trouver cette belle édition. Parce que je pense qu'en poche, il est bien, mais il doit être aussi gros et pas très agréable à manier. Mais cette belle édition a rendu ben, la lecture d'autant plus agréable. Donc voilà, ce sera tout pour ce point lecture. Il n'y a pas eu beaucoup de livres, mais j'espère que je vous ai donné envie en tout cas de lire au moins un de ces livres, que j'ai été aussi assez, assez bonne dans mes descriptions. Parfois j'ai un peu peur de spoiler, d'en trop en dire sur les livres et bah, de vous gâcher le plaisir de la découverte en fait. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous dire si vous avez lu l'un des livres, si vous avez aimé, si s'il y a un qui vous donne vraiment envie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!